73. C'est une voiture magnifique, c'est une Ferrari. Il la reçoit, le matin, il m'appelle, il me dit, attends, il faut que je fasse des photos tout de suite. On se retrouve à Boulogne. Je fais la photo de la voiture, il me dit, bon, maintenant, on se retrouve à midi au Phuket. D'accord. Et il part. Paf ! Le prochain croisement, elle explose. Ah non, vous ne pouvez pas savoir le nom du bagnole qu'il a bousillé, c'est hallucinant. Et d'ailleurs, je me signale que j'ai assisté, moi, à la mort de Johnny Hallyday. Non mais vraiment, on était en tournée d'été, on était à Saint-Tropez, il n'avait pas dormi depuis 3 jours et 3 nuits. Il sort de scène à 2h du matin, avec le costard en soie noire, bien en sueur, avec les cheveux collés, et il me dit, on va à Tarbes. Je sais pas si vous avez bien regardé une carte, mais Saint-Tropez-Tarbes, c'est 600 km de nouilles. Hein. 2h du matin, et hop, on part à fond. Et quand je dis à fond, il n'était pas le genre à mollir sur le champignon. Hein. Il n'y avait pas de ceinture. Hein. Vous savez ce que c'était, une Lamborghini Murat, c'était haut comme ça, c'était de tombeau sur roue. Vous étiez allongé comme ça, vous avez de l'essence jusque là, et derrière, il y a une vitre transparente avec le moteur qui fait ça. J'en ai pas là, je peux vous dire. Bref, toujours est-il qu'au petit matin, il y aura une fuite hypothétique d'huile quelque part sur la route, et hop, on rentre pile dans l'arbre, côté passager. C'est la place du monde. À 160 chronos. Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'était le premier septembre, c'est-à-dire retour de vacances. Vous voyez ce que je veux dire, c'est toute la route. Et à gauche, il y avait les bagnoles comme ça qui rentraient vers Paris, et moi, de l'autre côté, il y avait le soleil qui se lève, c'était magnifique. Sauf que maintenant, on était dans l'arbre. Et Jojo me dit, viens, il faut sauter, faut sortir, parce que ça va exploser. Bon, heureusement, on était vide. Si on n'était pas vide, je ne serais pas là. Et à ce moment-là, je le vois sortir. Et je vous dis que je l'ai vu mourir. Il racontait pas de salade, il le croyait vraiment. Parce que vous auriez vu la voiture, vous ne pouvez pas penser qu'on ne soit pas mort. Et je le vois s'éloigner. Et là, il est James Dean. James Dean était mort en bagnole. Hein. Donc ça y est, il est James Dean. Et il s'éloigne. Et je le vois s'éloigner. Mais alors, tout était joué parfaitement. Et il finit, il tombe au ralenti pratiquement, avec le bras qui fait ça comme ça, moitié bitume, moitié gazon. Pouf. La double page dans le match est vraiment formidable. Seulement, évidemment, c'est le retour de vacances, donc les bagnoles. Ah, attendez, il y a une Lamborghini dans un mars, un arbre, ça fait quand même déjà de l'effet. Ils descendent, en plus, c'est Johnny Hallyday qui est en train de mourir, c'est un beau souvenir de vacances, alors tout le monde vient. Et alors, ils commencent à l'entourer, mais j'assure que bientôt, il va y avoir des t-shirts, ils vont vendre des frites, enfin, ça va être effrayant. Et il est mort, lui, comme il l'avait rêvé, c'est-à-dire comme James Dean. Hein. Il est là, les bras en croix. Pendant ce temps-là, moi, je suis sorti de la voiture, mais là, moi, mon film à moi, il est beaucoup plus français, vous voyez ce que je veux dire, déjà, français années 50, c'est un peu Adémaï a eu un accident. Hein. Je suis à quatre pattes, je me relève et je suis entièrement en sang. Je peux pas croire que je suis pas mort. Je suis sûr, vous voyez la voiture, je dis, attends, c'est pas possible, je suis pas mort. Ou alors, je suis comme un Magritte, quoi. Il y a un trou, on voit les nuages à travers, c'est pas possible. Donc, je vais vers le groupe de gens, parce que je suis très inquiet que mon pote est en train de claquer. Je vais vers le groupe de gens, et là je me suis alors très 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 bien élevé, jamais été aussi bien élevé de ma vie. Comme je tape sur l'épaule d'une dame, et je lui parle, mais comme si c'était dans un salon, vous voyez, là, comme ça, très très élégant, sur une cheminée, il y a du feu, grand marié, tout. Chère madame, est-ce que vous voulez avoir la pitié de me dire ce que j'ai gardé? Oui, je suis en sang. Et il me dit, oui, c'est pas grave, vous avez l'arcade sourcilière, mais ça saigne beaucoup, mais c'est pas important, vous inquiétez pas, plus tape, elle se retourne pour pas perdre sa place. Bon, d'accord. Donc je suis pas mort. Donc là, je dis, mon pote, ça y est, il y est. Donc je traverse, et je le vois, et il est par terre. Bon. Et tout à coup, il ouvre un œil, et il me voit. Moi, je suis debout. Hein. Il me voit, il s'assoit, il fait, j'ai rien. Il m'attrape, il m'allonge par terre, et c'est la fin de la fureur de vivre. C'est-à-dire que lui, il est James Dean, il retire son blouson, il me le met sur moi je suis Sam Mineo. Comme je vous dis, je n'ai pas une chaussette rouge, j'ai une chaussette bleue, vous voyez. Et n'empêche que, donc moi, alors je me suis retrouvé à l'hosto, lui, il était sur scène le soir, je peux vous dire, j'étais obligé d'appeler mon père, parce qu'ils avaient annoncé que j'étais mort à Europe 1. Donc c'est terrible.
Alors, ce que j'ai toujours aimé, c'est ce type-là, c'est que il n'a jamais changé. Toute personne qui le connaît, Claude le connaît, ce mec, il est le même. Ouais. C'est le seul, d'ailleurs. Hein. Vraiment, exactement le même. Il a fait son éducation tout seul, sa culture tout seul. Pour moi, il a 19 ans, même encore aujourd'hui. Vous voyez ? Et quand je le vois, c'est comme si on s'était quitté la veille. Ça, j'adore ça. J'adore ça. Je suis très attaché à ce mec-là. Je lui dois énormément. Et voilà, donc, les années 60 ont commencé avec lui. Et oui, je vous dis, elles signeront avec lui. Vous verrez. Ah, j'ai bien pourri l'ambiance, je suis. Voilà.